Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4, dans notre série intitulée Oh la vache! Bon, nouvelle session de jeu pour moi, et j'ai vu un truc. On scrolle vers le bas, encore un peu vers la droite, un peu vers la droite. On voit qu'il y a les ottomans, mais ah, mais c'est quoi ça? Mais oui. Les particularistes ont pop. Alors, c'est-à-dire que quoi, ils sont... Ouh! Ouais. Ça ferait mal. Faudrait que la coalition pète en fait. Faudrait que la coalition pète. Donc ça peut être intéressant. Terminé de guerre ici, de toute façon, on va pas aller paralléliser. Hein. Petite seconde. Navré. Le pollen. Encore et toujours, le pollen. Bon, on va laisser les gens faire leur travail. Ils ont l'air un peu dans le mal. Et ils sont en guerre contre qui? Contre Mewar. Ils sont croûtés dans une guerre. Pardon. Me revoilà. Ouais. Bon, on va continuer. On va déjà construire commerce, tout ça. Limite terrestre. On va s'en mettre. Voilà. Je veux plein de limites terrestres. Je veux plein de réserves locales. Je veux. Voilà. Des fois que ce soit pas clair. Voilà. Bon, les Français, j'aimerais bien qu'ils reviennent. Bon, une fois que Utrecht sera prise, je pense que ça devrait plus être un souci. Voilà. Et là maintenant les Français, normalement, ils vont vers le sud. La question à me poser, c'est que Naples... La reconquête sur Naples, c'est pas mal, hein, mais bon, c'est un peu loin de nos terres. Hein, pas... Bon, le développement, voilà. Ouais, c'est les Français quand même. Français qui tiennent tête. C'est beau. Bon. Ça doit être beau, ça fait mal quand même. Bon, là, ils recrutent à fond. On fait rien dans cette guerre. Utrecht, tu veux la paix? Très bien. Moi, je voudrais Utrecht, en âme et conscience, que tu me fasses ça, ça et ça. Et tu te casses. Merci. On donne rien aux Français, bien évidemment. Bon, ils sont en train de les régler leurs problèmes, hein, mais bon, ils sont dans une. Dans une mauvaise passe, hein, j'ai l'impression. Et ils sont dans une coalition, quoi. On pourrait rejoindre cette coalition. Hein. C'est vrai que je suis jamais entré dans une coalition. Argent, ou ça? Commercial, bon, ouais, vas-y, c'est pas grave. Rejoindre la coalition, c'est ouf. Ou à moins il faut que j'aille voir la cible de la coalition, peut-être. Proposer intégrer la coalition, donc il faudrait que je clique là. Former une coalition, non, c'est intégrer la coalition. Il faut, nous devons avoir envers lui. Ah, ouais, d'accord, ok. On n'a pas de. Ok. Pardon, excusez-moi, décidément, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Bon, c'est bon, les Français contre-attaquent, parfait. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vassaliser la Savoie. Le reste, on s'en... Hein, voilà. Je veux juste vassaliser la... Non, Savoie. Voilà, juste ça. Ouais, bon, il faut encore attendre. Et bon, on va attendre. C'est pas grave. Ouais, ça, c'est nul. Parce qu'en termes de bateaux... Oh, c'est vraiment le bordel dans nos terres. Hein. Après, c'est vrai qu'on a eux. Mais eux, ils sont alliés à la Pologne, si je me rappelle. Non, personne. Bouffable en combien de fois? Plus d'une fois. Bravo.
J'aime bien que ce soit la Norvège, mais il y a des limites quand même. Hein. Ouais. Je préfère me focaliser sur l'Allemagne pour le moment. Ah. Mmh. Écoutez, on va la tenter. Ça ne sert pas de pas en profiter. Établissement de l'Union. Voilà, hop. Ouais, bah c'est pas grave. Encore moins pas grave. Donc on va reprendre l'Union. Et on fera des reconquêtes dessus, ouais. Ça me paraît plus mal. Rétablissement de l'Union. Vas-y, go. Voilà. Let's go. Parfait. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Du coup, on va pouvoir faire ça pour terminer cette guerre très rapidement. De prendre l'objectif de guerre, ce sera largement suffisant. Du commerce, oui, mille fois. Bon, allez, on se dépêche, messieurs. Décidément. Ouais, il n'est pas en grande forme, hein, l'auto. Okay, on a remporté ça. On va à la Coventry pour prendre le truc. La France, on pourrait l'appeler à la guerre. Non, pas du tout. Nullement envie de procéder ainsi. Voilà, ça c'est fait. Ok, est-ce qu'en termes de bateau on est bon ou pas? Ok, là on peut faire de nouveaux bateaux, on va pas se priver. Voilà. Et de la production dans des manufactures, oui. Cadeau. On se dépêche de prendre ça, on retourne ici, on fait feu pour gagner du temps. On a un bon réseau d'espionnage, on pourrait faire mieux quand même. Énorme. Tolérance envers les Erinizi, moins 3, non, je peux pas faire d'elle sur le. C'est bon. Voilà, Coventry, on est bon. Fusion, on va aller où? On va faire une bataille par principe. En stable ou russe. Dorsey, sympa. Voilà, c'est terminé pour eux. Voilà, et là, du coup, demander la paix et je veux. Union avec la Grande-Bretagne. Pas si vénère que ça. Et nous sommes en union avec la Grande-Bretagne. Et... quelqu'un qui fait vassal, ça fait quoi? Pire, non? Même pas. Parce que union avec la Grande-Bretagne, c'est quoi la prochaine mission? Parce que je crois que les unions personnelles, c'est la mort du dirigeant ou une connerie dans le genre, quoi. On pourrait faire ça. Non, évidemment, on a tout l'inverse. Les Anglais et les Germains. Ah, c'est pas mal ça. Il faut être quoi pour l'avoir ça? On peut les vassaliser. Plutôt que faire une union, ça évitera de les perdre. Parce que je crois que les unions, union personnelle, ça fait un peu plus mal. Bon, après, c'est qu'une question de temps. Donc, moi, ça me va parfaitement. On les vassalise et on récupère tout leur corps. Parfait. Les Français, c'est bon? C'est bon. Bon, Castille est à moyen. Moi, ce que je veux, c'est juste vassaliser lui. Bon, le temps passe, plus ça va. Ok. Faut vraiment revoir. Ouais.
comprends pas pourquoi on n'est pas fait de fort ici. C'est pas grave, il faudra aller revoir la politique de nos forts. Hein. On peut passer de tech. Alors, je suis tenté, mais non. Donc, on va passer. Et non, mercantilisme. Hop, 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 hop. Bon, à fond, hein, tant qu'à faire. Voilà. Mercantilisme, c'est bien. Ça nous fait de l'argent en plus. Ça nous fait notre puissance. Ça nous fait plus de bonus. Et énormément de choses en plus. Et ça, c'est cool. Voilà, viens par là, toi, chérie. Là, l'Angleterre, c'est bon. Pas encore. Ok, pas de soucis, je vais essayer de montrer passion. Ouais, là, l'Ottoman est en train de gagner sa guerre, visiblement. Ouais, les petits séparatistes pontificaux, j'aime bien. La Savoie, tu veux demander la paix. Ouais, je vais t'imposer ma religion. Préparation de guerre, transfert, tu casses. Voilà. Bah, du fait qu'on soit défenseur de la foi, ça nous donne quand même pas mal de bonus assez, assez intéressant là, je pense. Hein. Il faut y aller. Hein. Enfin bon, on va construire les machins pour... En plus de puissance, tac 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 tac. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon, les Français, c'est bon, ils commencent à y aller. Révolution agricole. Ah, ça y est, ça va commencer là. Alors ici, ça fait machin, bah tu me fais de la... On commence à avoir tous les bonus intéressants, c'est pour ça qu'on va tout faire pour avoir les universités, et on va commencer à en construire. Bon, c'est bon là, demander la paix ? Toujours pas. Et toi, Ice Pig ? Toujours pas. Dans ta tête, tu te dis, il y a toujours moyen. Et on peut prendre... Ah, Golsar a pété. Est-ce qu'on a une troupe? Oui. Nous en avons une. Modif de limite terrestre. Ouais, on va le faire. Bon, ça sera la dernière. Modif d'entretien terrestre, moins 5%. Comment vous dire que... C'est peut-être pas mis à jour. Bon, je pense que les Anglais, là, c'est bon. C'est dingue, hein. C'est impressionnant quoi. Alors passage de tech admin, pas tout de suite. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a un intérêt? Je préfère développer le pays. Ouais, on va développer le pays. Bah, comme d'hab, hein, les vaches. Hein. Les vaches. On peut passer à 40. Passer à 50 de vaches. Passer à 30. Chose, non. C'est déjà mieux que rien. Et on peut prendre un mec, la discipline. Fais-moi un modif d'entretien terrestre. On va avoir encore plus d'argent. Comme ça nous en manquait. Bon, toi, s'il te plaît, j'aimerais bien que cette guerre se termine là. Ah, bientôt. Et ça. Ah bah ça c'est bon. Ah bah, parfait. Tu me donnes toute ta thune par contre. Ça, ça je pourrais te rembourser. Et merci. Hop là. Et on a un vassal. Qui est pas content, on va rembourser la dette. Apaiser. Voilà. On va influencer. Voilà, on va t'influencer un coup et ça va te calmer. Voilà. Et tu vas améliorer les relations avec lui. Comme ça, on n'entend plus.
C'est surtout qu'on a plein de corps maintenant. Voilà. Perdons en stabilité. Wow. Perdons en stabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Life speed. Voilà. C'est bien notre vassal, on est bien d'accord. Vassal, parfait. T'en poser la religion dans le traité de paix, tant que faire. Et toute ta thune, coalition dérisoire. C'est beaucoup à voir. Ok. Là, ça c'est une excellente nouvelle. Maintenant, l'autre, bon toutou. Très bon toutou. Maintenant, là, si je te déclare la guerre au nom de mon peupette, de la reconquête. Ouais, ça on va le faire, je pense. J'aurais bien voulu faire deux guerres séparées. Ah! Ah! Pourquoi? Eh bien que ça arrive un jour. Ok, intéressant. Faut pas récupérer un peu de thunes quand même. C'est débile. M'a rivalisé, c'est dire que l'Autriche potentiellement, j'ai changé de vase de rivaux. Hein. L'Autriche, c'est vraiment débile. Je vais mettre les Français. Je vais mettre les Ottomans. Histoire de me rapprocher au maximum de l'Autriche. Oui, bah tu veux Berlin, je sais. Lever l'embargo. Après, peut-être. On va imposer l'embargo à l'Ottoman. Voilà. Tout se fait. Bon, on va se dépêcher du coup. Alors, reconquête, je suis pas sûr, parce qu'au final, ça veut dire que retour d'une province légitime, donc il n'y aurait qu'une seule. Autant prendre du nationaliste pour Weimar. Voilà, tu reviens. Dépêche, merci, on y va. Hop, on déconne, on te découpe en deux. Voilà, t'inquiète pas, ça sera un de l'or. Plutôt. Voilà. Un siège parfait. Bah écoute, si on peut aller ici, ça me va. Duisbourg. Donc cela, ça veut dire qu'on a de la reconquête à Bâle. Et on a un rapport de force positif avec eux. Hein. Et bon courage pour nous dégommer, mais avec nous. Je sais pas, ils ont combien de bateaux? 105 bateaux, ouais. On va en faire des bateaux quand même. Non, on va en faire. On va monter à 40. Voilà, ça nous va très bien. Et on va retirer cette. Voilà. Parfait. Et ouais, conseiller qui me fait.
J'irai plus de diplôme, c'est très bien. Bon, ça c'est pas mal. L'Ottoman, il est toujours pas dans sa coalition. Je pouvais pas intégrer la coalition, je regarde. On va améliorer les relations avec l'Autriche. Hein. On a les deux mêmes rivaux, mec. Finalement, avec rivaux d'un rivaux. C'est vrai que l'expansion agressive n'est pas. Écoutez, c'est un move. De toute façon, on a perdu les Français. L'Espagne, ça pourrait être très intéressant. Mais bon, l'Espagne, il veut. Non, mais oui, non, mais. Ouais, allez, c'est parti. Là, on trouve. Ok, Portugal, tu veux. Non, ok. On pourrait pas s'allier avec quelqu'un de puissant. Bah, Delhi, ça pourrait être la bonne strat, hein. Ça prendra notamment, en fait. Hein. Delhi ou Transoxyne, pourquoi t'es rival de Delhi? Donc, Transoxyne, t'as combien de troupes? 2. Ouais, mais je préfère Delhi. Transoxyne, on va bouffer là-dedans. Ok, très bien. Bon, on va se dépêcher de piste de guerre. Ok, parfait. Commerce, oui. Voilà. Oh, ouais, bah ça, ici, oui. Dommage de ne pas l'avoir fait à Danzig aussi non plus. Voilà. Et oui, on va tout légitimer, t'inquiète pas là-dessus. Et là, Danzig, en plus, ça fait. Ici, c'est très bien ce que ça fait. Et on va bien sûr améliorer la puissance. Voilà, on va aller retourner à l'Icepig. Et je le prononce mal, j'en suis désolé. Ok. Alors, siège de Wittusbourg est tombé, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ulm et sa grande puissance. On va y aller. Elle est là quand même, parce que c'est. Très bien. Ah, on va aller là-bas, ça me va très bien. Ah, Wittusbourg, tu veux la paix, parfait. Ah bah alors, si tu veux la paix, c'est demander la paix. 200 balles. Réparation de guerre, détournement du commerce. Voilà, les 200 balles qu'on tape. Voilà, même pas de diplomate envoyé. Maintenant, on en a un. Hop, et hop. Ah, vas-y, je te. Oh la vache, ok. 500 par mois, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, attendez. Non, on peut pas encore. Bah, manufacture, voyons. Pas de manufacture de pierres précieuses. Dommage. Bah, écoutez, on va augmenter un peu partout. Hein. Hop. Voilà, et après, on fera les universités. Dans un ou deux mois, quoi. Le temps de. Élection à la tête du pays, hein. 3-5-3. Non, clairement ça. Ok. Et bah, université, hein, écoutez. Plus on aura d'université, mieux ce sera. Hein. Les universités, ça permet de faire quoi? Parce que c'est vrai que je clique dessus. Coût du développement, ah ouais, c'est quand même pas mal, ouais.
Bon, peut-être que l'autre là, il en a marre. Ah bon? Ah bon. Ah! Attends. Ah oui, ça serait donner ça à la sax. Non. Oh bah ça va. Ouais bah écoutez, on fait ça, c'est très bien. Ta thune, tu te casses. Et puis voilà. Comme ça, ça nous fait notre bonus. Et notre mission surtout, qui était expansion en Saxe. Voilà. Et là maintenant, il faut dégommer la Prusse et après on aura ce bonus. Parfait. Prusse, à ton tour. Oui, tu vas mourir. Mais c'est pour ton bien, hein. C'est pour ton bien. Ne m'en veux pas. Il a 4 péons et puis. Allez, go. Pourquoi le Mexique portugais? Oh, la liste. Légitimement. Voilà, les coalitions, ça va commencer. Pas grave. Surtout qu'on a plus de vassal. Et. On va s'allier avec Delhi. On va vraiment s'allier avec Delhi là bientôt, tu vois. Vraiment très bientôt. Donc on va améliorer les relations avec tous les pays outragés, plus tranquille. Allez, go. Voilà. Très bien. On va dégommer quelques têtes ici. L'Autriche a rejoint la coalition, c'est pas grave. Ok. Très bien. Voilà, ça devrait être mieux là. Ah mince, les Prussiens ils sont là aussi. Je les avais zappés, tiens. Bah attends, celui-là, autant faire un débarquement. Non, toujours pas. On peut prendre une dernière doctrine et ça c'est très intéressant. Parce que c'est. Ouais, mais celle-ci nous la faut. Il nous fait gagner encore de l'innovation. Bon, bref. Et ça va nous donner une limite terrestre plus 33. Et attrition terrestre moins 25. Et là, maintenant, on va commencer à parler. D'égal à égal avec l'Ottoman. Ah, tu me sors un. Attrition des troupes ennemies plus 1. Dommage de choc plus 5. Eh bah, écoute. Ça. Je me fais l'autre. Modif de production plus 15. Voilà, avec ça, si on n'est pas bon, je sais pas ce qu'il faut. Et là, bah voilà, on va pouvoir recruter là. Et là, on va recruter une grosse. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je pense qu'étrangement, personne va rien dire. Peut-être les aider. Ah, les lumières. Évidemment, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est chez qui? Ava. Attends. Quoi? Non, mais c'est clair. Non, mais Ava, quoi. Me dis pas que c'est en Amérique. Si c'est pas découvert, ça veut dire que c'est en Asie obligatoirement, quoi. Ou en Inde. Oh putain, j'hallucine, quoi. Ok, bah va bien, hein. Bon, bah de toute façon, ça va pop naturellement. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. À Lübeck, ça va pop à combien? Oui, c'est bon, ça va pop. Merde. Ah, je me suis pris un sac, ouais, tiens. C'est bien que j'avais mal quelque part. J'ai envie de voir que c'était là. Hop. Ah, le sac de. Attends, ou deux mois, s'il te plaît. Oui, voilà, on connaît. Parfait. Bon, là, on peut y aller avec un général de. Voilà. Ça se voit qu'on n'a pas la technologie militaire, hein, quand même. On va quand même passer la tech. Hop.
Voilà, débarquons ici. Lâche ma réputation. J'ai un demi-million d'hommes. L'entacher ma réputation. Tu peux toujours essayer, c'est vrai. Bon, ce serait intéressant de dégommer Ulm. Mais non, mais il est en place. Nous sommes en plastique. Le moral terrestre, malgré la discipline. C'est vrai. Ça fait mal. C'est pas grave, ça nous fait de la tradition. C'est ce que je me dis à chaque fois. Ok. Weimar, c'est ton... Ah non, ils ont fait tomber Weimar, les enflures. Ok, pas de problème. On va se regrouper ici et là. Ici, s'il te plaît. Voilà. On va se mettre en fusion. On va se recruter... Allez, plein de généraux, comme ça, plein de professionnalisme. Et on va aller là. Et là, je pense que ça va pas être la même, bizarrement. Bon, déjà, il y a ça. Ça, c'est le premier round. Là, il y a un second round. Voilà. Un autre round ici. J'aurais bien voulu prendre juste un petit coup de morale. Voilà. Renforcer les premières lignes. Et on y va. Une blague. Voilà. Et on dégomme ça. Voilà. Bizarre, c'est pas la même. Hein. Berg, tu veux la paix? Mais oui, mon ami. Réparation de guerre. Voilà, casse-toi. Très bien. Prusse, il reste qui? Ferrare. Ouais, Ferrare, ouais, ça va être un pâté, ça aussi. Hein. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à plus, les gens.